Coucou les filles. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble un livre que j'ai acheté sur Etsy. Et avec ce livre, ça a été un petit peu la grande aventure. Pourquoi ? Parce que je l'ai commandé il y a environ 2 mois. Et puis, je ne l'ai jamais reçu. Et en fait, de temps en temps, je fais des petits checks sur mes listes, vous savez, de commandes en cours. Et je vois bien si c'est bien écrit, vérifié, livré, tout ça. Et dans celle-ci, non, c'était... Et puis, rien n'avait bougé, quoi, ni en cours d'expédition. Vraiment, rien n'avait bougé. Donc, du coup, j'ai laissé un message à la dame. Et en fait, ma commande, elle est passée à la trappe, quoi. C'est-à-dire que dans tous les mails qu'ils ont reçus, tout ça... Elle est passée à la trappe. Et donc, du coup, là, je l'ai prévenue de ça la semaine dernière. Et bah, là, par contre, du coup, l'envoi, il a été réactif puisque ça a dû mettre, sans compter le week-end, 5-6 jours, quoi. Donc, il n'y avait que 2 ou 3 photos dans la boutique Etsy pour ce livre-là. Mais il est à spirale, les avis étaient très bons et les peu de coloriage que j'ai vu étaient très jolis. Donc, du coup... j'ai pris. Et on va découvrir ça ensemble. Donc, on a une petite carte. Voilà. Du coup, elle me remercie pour ma patience. Parce que, du coup, oui, ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Donc, il s'appelle, j'ai poussé ça, hop, Wild Thing. Et c'est de Gina... Chiapacas, tu vois. Bon, alors, j'ai pas forcément prononcé bien le nom. Hein. Maintenant, on va voir les dessins. Donc, il y a l'air d'en avoir pas mal. Oh, le papier, il est hyper lisse. C'est drôle. Lisse, mais épais. Voilà, vous voyez, je trouve que ça change de l'ordinaire. Et déjà, dans les photos qui étaient mises en avant sous la vente, là... Ils étaient déjà originaux, donc je me suis dit, ça, je pense que ça va bien me plaire. Et donc là, ce que je découvre en même temps que vous, ça me plaît. Donc je suis contente. C'est du linéart, donc il va falloir que je me débrouille. Écoute, ça va le faire, hein. On va le faire. Hein. J'aime beaucoup. Franchement, ça claque. Alors, je ne sais pas de quelle origine elle est. Je crois, il me semble que sur la page, sur sa boutique, il me semble que c'était Manhattan ou je ne sais plus trop. On va regarder ensemble. Franchement, je suis contente. Ça change. En plus, certains, il y a des décors. D'autres, c'est à vous de les faire. Vraiment, j'adore. J'adore quand c'est comme ça, parce que des fois, t'as pas envie de te casser la tête, t'en prends où t'as déjà le fond, comme ça, t'as juste à mettre en couleur le fond qui est déjà fait. Et puis, des fois, t'as rien, et ça va être à toi de le faire. Alors, celle-là, j'adore. Enfin, franchement, je les aime toutes, c'est varié. Le papier, il est drôle. Il est lisse, mais sans pour autant être... je sais pas comment vous l'expliquer. Mais ça a l'air d'être un bon papier. Je vous le redirai quand j'aurai fait un colo dedans. Franchement, j'adore. J'adore. Super. Franchement, je trouve que ça change. Je suis très contente. Minnesota. Voilà, Minnesota.
pas Manhattan, pardonnez-moi, je me suis trompée. Ah, comme ça, j'aurais pas besoin d'aller voir sur la boutique. Franchement, ça claque. Ça claque, ça claque. Je suis hyper contente. Alors, je l'ai payé 20 euros avec la livraison. Ça faisait... Non, 27 euros, je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien en dessous. Comme ça, vous pourrez aller voir directement avec la livraison et tout. Donc, franchement, je suis super contente. Je pense que je vais le commencer ce week-end. Et j'ai déjà ma petite idée sur lequel. Voilà. Donc franchement, je suis contente, je ne l'avais jamais vu nulle part. Et c'est un petit peu ça, quand vous mettez 30 euros ou 35 euros sur Etsy, vous vous dites, mince, j'espère que je vais être contente, quoi. Parce que bah, y a toujours que deux ou trois, certaines, elles mettent, par exemple, Gratia Salvo, sur certains de ses livres, il y a 5-6 photos. Donc c'est, vraiment, ça dépend. Mais là, sur celle-ci, à tout casser, il y en avait trois. Donc là, je suis vraiment partie à l'instant en me disant, bon, bah, on verra bien. Et je suis trop, trop, trop contente. Je les adore. Donc, j'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir aussi. Je vous mets le lien et je poste la vidéo. Gros bisous !